Salut toi! D'octobre est arrivé. Avec son rhume, ses mouchoirs, ses oreilles bouchées. En gros, je suis complètement malade et j'ai la grosse crève. J'entends à peine ce que je dis là, tellement que j'ai les oreilles bouchées. Mais nous allons commencer la série Novi Win. Comme l'année passée, ce sera une vidéo par semaine avec le thème Halloween. Sauf qu'à chaque maquillage, je vais essayer de faire un type de maquillage différent. Donc il y en aura un plutôt glamour, un plutôt effets spéciaux, un plutôt théâtral, etc, etc. Pour celui-ci, on va partir sur un make-up plutôt glamour, ce qui est complètement le contraire de ce personnage. Je pense que vous avez compris quel personnage je vais faire. Donc j'ai déjà fait mon teint, fond de teint, anti-cerne, poudre. Parce qu'en ce moment, j'ai plutôt une gueule de tétéré avec ma crève et mes boutons. Et avant de commencer ce tutoriel, c'est parti! Ce maquillage n'est pas très compliqué, pas cher et prend environ 2 heures. Pour les produits, tu auras besoin d'un eyeliner prune, d'un spray orange pour les cheveux, d'un fard à l'eau argenté, d'un blush brique, d'un highlighter orangé, d'une poudre bronzante, deux faux cils et d'une colle, d'un crayon à lèvres orangé, d'un rouge à lèvres orangé, d'un eyeliner doré, d'un crayon prune, d'un crayon bordeaux pour les yeux, d'un fard crémeux bronze, d'un mascara, d'un crayon pour les yeux blanc, d'un fard noir, de différents fards dans les tons chauds, de fards à l'eau rouge et bordeaux, et de lentilles de contact bleu. Je vais commencer par cacher un de mes sourcils, puis j'applique mes lentilles et je prends mon crayon de couleur prune et je viens commencer à tracer le contour de mon œil explosé. Bien sûr, je m'aide d'une photo de mon chéri que je vais copier. Ensuite, je vais remplir la forme avec deux fards à l'eau. Un rouge sur la paupière et au plus proche de l'œil et un prune que je dégrade vers le contour. Toujours avec le prune et un pinceau plus petit, je vais redessiner mes traits et les épaissir. Je vais mettre un crayon blanc dans ma liqueuse afin d'agrandir mon œil. Bon, avec le contouring, je vais essayer de travailler le visage pour faire un effet plus rond comme une poupée. Donc là, vraiment, je vais venir sous la pommette pour faire un effet gonflé. Ici, je vais couper un peu le menton pour que ce soit moins carré et que le menton ressorte un peu plus. Le nez, je vais essayer de le faire en petit nez de cochon, vu que ce petit bâtard a un nez écrasé. Et je vais accentuer un petit peu les fossettes, parce qu'il sourit tout le temps. Avec un pinceau plus petit, je vais foncer le dessous puis les ailes de mon groin. Je vais ensuite accentuer l'arc de Cupidon et les fossettes de mon sourire. Pour l'effet nez en trompette, je viens faire un trait sur le nez que je dégrade vers le haut. Et enfin, j'accentue mes traits d'expression diabolique. Et quand j'ai l'air bien fâchée, je me mets du blush en rond sur mes pommettes et un peu de highlight sur les zones de lumière. On repasse à mon œil défoncé avec un fard sec prune qui va fixer et intensifier l'effet de la plaie.
Avec un pinceau plus fin, je vais dégrader légèrement les traits pour donner un effet d'hématome. Il ne faut pas que ça fasse un effet trop propre. Passons aux agrafes. Avec un petit pinceau plat ou biseauté, je prends mon fard à l'eau argenté et je dessine des petits traits sur les plaies. Essaye de faire en sorte que ce ne soit pas régulier pour un effet plus réaliste. Avec mon fard rouge prune, je vais salir un peu le pourtour de la cicatrice pour un effet sale, d'hématome et de brûlé. Enfin, faut que ça fasse bien défoncer. Je prends mon fard sec noir et j'accentue le dessous de mes agrafes pour donner un effet de profondeur et je vais faire pareil dans les plaies de la cicatrice. Ce qui va faire un effet d'optique et va donner plus réaliste. Petite pause thé. Je vais passer ma journée à pisser. Well, on va passer au côté beauté, hein, parce que c'est plus un make-up théâtral que beauté, hein. Donc on va passer au côté beauté. Avec mon rouge à lèvres liquide mat orangé, mais tu peux aussi utiliser un fard à l'eau de la même couleur, je vais colorer mes sourcils et je vais les brosser vers le haut à l'aide d'un goupillon. Je prends un fard sec rouge orangé et je dessine mon trait de paupière que je vais dégrader en pointe. Quand j'ai la bonne forme, je prends un rouge plus foncé et je le dégrade du trait de paupière vers le haut. Avec un fard doré, je dégrade le dessous du sourcil et j'illumine le coin interne de mon œil. Je viens ensuite faire mon dessous d'œil avec le rouge clair. Puis foncé, en prenant soin de dégrader ma pointe. Et je le dégrade encore avec mon doré. J'applique mon fard crème bronze sur toute la paupière et avec un pinceau plat, je vais redessiner ma cut crease ou mon trait de paupière en français et le faire au propre et le tirer en pointe vers l'extérieur. Je mets mon fard doré pour fixer. Et je fais mon trait de liner prune en le remontant dans la cut crease. Je le dégrade ensuite avec un fard prune. Je reviens avec mon rouge clair dans la pointe dorée et je le dégrade vers l'interne. Et je fais pareil avec mon fard prune. Je tire mon trait de liner doré en prenant soin de suivre mon trait de liner prune. Je mets mon crayon bordeaux dans la muqueuse afin de rapetisser mon œil, bien sûr en bas et en haut. J'applique mes faux cils sur l'œil glamour, en haut et en bas. Et je mets du mascara sur mes deux yeux. Je fais des taches de rousseur au fard à l'eau brun clair, puis brun foncé. Et on passe à la bouche avec un crayon orangé que je vais appliquer sur toute ma bouche. Et pour finir, j'applique mon rouge à lèvres orangé. Et pour les cheveux, il faut juste qu'ils soient bien en pétard et orange.
Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça t'a plu. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Sinon, je passerai te voir cette nuit. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour savoir instantanément quand je sors mes petites vidéos. Tchah ! Si vous aimez pas le côté glamour, vous pouvez toujours faire ce côté de maquillage avec de l'autre côté juste du mascara. Mais j'avais envie de changer un peu parce que je fais tout le temps des effets spéciaux et des maquillages assez dark, on va dire, pour Halloween. Donc j'avais envie de tester un petit maquillage qui soit un peu glamour tout en gardant ma touche de folie, voilà. Pour le costume, c'est bien simple. Il suffit d'un pull rayé, d'une salopette et d'un couteau. Je vous conseille quand même de prendre un faux couteau dans un magasin de déguisement, hein, parce que vous risquez déjà de vous faire mal. Et ensuite, vous risquez aussi de vous faire arrêter dans la rue avec un couteau comme ça. Bien sûr, moi j'ai les cheveux orange, hein, depuis quelques jours. Mais pour toi, tu peux toujours utiliser une bombe de spray orange. C'est tout simple, ça se trouve dans tous les magasins de déguisement. Et ça se lave au shampoing. Ça part tout seul. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour voir toutes mes autres vidéos d'Halloween. Et tu peux retrouver tous mes maquillages d'Halloween sur Instagram avec le hashtag NoviWin. Tu peux aussi aller voir tous mes maquillages d'Halloween sur la playlist NoviWin que j'ai faite sur ma chaîne. J'ai décidé que j'allais plus mettre les produits que j'utilise dans mes vidéos parce qu'on peut trouver notre bonheur dans un... Parce qu'on peut trouver notre bonheur dans n'importe quelle marque. Et je ne suis pas un panneau publicitaire gratuit. Donc si vous voulez vraiment voir les produits que j'ai utilisés, j'ai tout noté dans la description et j'ai fait ça aussi dans mes anciennes vidéos. Mais à partir de maintenant, je vais arrêter de mettre les marques dans mes vidéos. Sauf si je suis sponsorisée et je le dirai. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tous les produits que j'utilise, c'est les miens. Je les ai payés avec mes petits sous. Sur ce, ciao.